Bonsoir, bienvenue à tous. D'abord, la règle qui s'impose. Attention, ce programme est réservé à un public averti des risques inhérents à l'activité de la négociation des marchés financiers, soit le day trading. La négociation des produits type CFD nécessite une formation sérieuse. Les informations transmises dans ce programme ne sont ni des conseils, ni des incitations à la vente ou à l'achat. Bonjour tout le monde, me voilà. D'ici quelques instants, vous allez me voir en live, me voilà. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous après cette journée absolument de folie. Pourquoi de folie? Eh bien, record battu sur le Dow Jones. Quelle entrée en matière pour cette première émission, en tout cas sur la thématique des secrets de traders et en particulier de ceux qu'on appelle les brokers killers. Je vais vous délivrer dans cette émission un peu particulière ce soir puisque je vais casser un tabou, le briser, le scinder en deux, le tordre complètement pour vous donner les moyens à vous de réussir autant que le font ceux qui sont les traders alertes, brokers killers. Oui, on va parler du stop loss absolument. Alors j'ai beaucoup de plaisir déjà à voir les messages qui arrivent très vite en me disant « Luc, t'as intérêt à être bon » et au contraire, ça ne me met pas la pression. Mais j'aimerais que vous puissiez vous converser avec moi, que cette émission soit interactive puisque si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, vous avez la liberté effectivement de d'écrire dans toute l'objectivité dont vous pouvez faire preuve. En tout cas, vous opposer à ce que je dis et j'aurai beaucoup de plaisir à défendre mon point de vue comme vous, vous aurez à le défendre. Oui, cette émission est interactive. J'ouvre le bal puisque c'est la première, en tout cas dans la TV Fort Monnaie, qui va parler des stop loss et de ces danger. Vous êtes très nombreux, bonsoir à vous, merci de nous avoir, en tout cas, merci de nous regarder actuellement. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est une émission en clair qui se veut en tout cas avec une thématique pédagogique puisque l'objectif c'est encore une fois de réaliser les plus gros gains. Je vais d'ores et déjà vous dire que ce que je fais actuellement, c'est une introduction à l'événement qui aura lieu le 11 octobre. Je vous en reparlerai donc juste le temps pour moi, voilà, d'enlever hop le petit message qui est là et de laisser la bannière si elle veut bien apparaître. Là voilà, vous l'avez en bas à droite de vos écrans. En tout cas, je vais initier ce que je vous dis en ce moment sur le stop loss. C'est une introduction à la thématique de la gestion de position du métier qu'on appelle le trader manager. Voilà, les présentations sont faites. Vous êtes extrêmement nombreux et de partout. En tout cas, vous avez raison d'être ici. Voilà la bannière, je la remettrai tout à l'heure. On va commencer cette émission. Donc, c'est une émission qui se présente sous un format relativement court puisque une demi-heure, trois quarts d'heure suffisent, à moins que vous ayez beaucoup de questions et que vos interrogations alimentent cette émission de manière bien sûr raisonnable. Ça ne pourra pas excéder une petite heure. En tout cas, vous dire déjà que la thématique du stop loss, ça fait couler beaucoup d'encre. Je fais ce métier maintenant depuis près de 20 ans, sinon même plus de 20 ans. Et le stop loss, c'est un mythe dont on entend parler absolument partout. Mon raisonnement est le suivant. Le stop loss, oui. Le stop loss, non. Pourquoi Luc, oui et non? Simplement parce que le stop loss ne rassure que ceux qui veulent être rassurés. Le stop loss n'a jamais rassuré les professionnels qui s'en passent allègrement et qui se servent plutôt d'outils de couverture ou de hedge, qu'on appelle de hedge, de position hedgée, pour pouvoir effectivement couvrir une position qui pourrait être perdante avec un calcul de risque bien évidemment normé et calculé. Donc on va partir simplement et n'hésitez pas encore une fois à noter simplement vos questions, à les mettre sur le chat. Charlotte qui est au-dessus m'interrompra si les questions sont pertinentes et qu'elles sont objectives. En tout cas, j'en suis persuadé. Voilà, tout simplement. Je vais parler donc de ce fameux stop loss. Ce stop loss d'abord qui est réservé la plupart du temps aux particuliers. Le stop loss, la définition dans un premier temps très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un stop loss? Vous le savez déjà, peut-être pas, ou peut-être que vous avez d'ailleurs une définition erronée. Le stop loss, c'est la limite maximum de perte autorisée. Littéralement, je m'arrête de perdre. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. A priori, c'est une limite, une frontière infranchissable que vous vous êtes, vous, installé, instauré, et pour laquelle vous avez décidé de couper votre position. Alors, bien évidemment, on ne met pas un stop loss dans le cadre d'une position gagnante. Faux. Vous pouvez mettre un stop loss dans le cadre d'une position gagnante. Je vais vous l'expliquer tout de suite. À la base, le stop loss est fait pour se protéger d'un retournement de position ou un retournement de tendance. Et là, on va commencer à aborder les sujets sensibles, puisque lorsque vous prenez une position, à moins d'être un parieur, un joueur,
un gambler, si vous prenez une position sur les marchés, c'est que vous avez véritablement d'abord une stratégie. C'est que vous avez su aussi mettre au point cette stratégie en fonction de certains éléments qui vont vous donner une quasi-certitude à savoir si le marché va plutôt être acheteur ou s'il va plutôt être vendeur. Jusque-là, on se suit, vous et moi. Mettre un stop loss, ça va vous rassurer, vous, mais que vous. Parce que la première chose qu'il faut comprendre par rapport au stop loss, c'est qu'en aucun cas ce stop loss va vous garantir de quoi que ce soit. Aïe, on commence à toucher le sujet sensible. Pire, le stop loss pourrait vous nuire énormément et on va l'aborder. Et peut-être que lors de cette émission, vous allez avoir des révélations, j'en suis sûr. Peut-être que vous allez vous rappeler certains événements lors de vos prises de position qui vous ont entraîné vers des pertes, alors que vous aviez raison. Et oui, le stop peut se retourner contre vous. Il faut savoir qu'à la base, le stop loss est un outil inventé par les brokers. Oui, c'est vrai, encore eux. Pas tous, évidemment. Mais le broker a pour mission simplement de vous dire qu'en fait, une méthode de trading se résume à mettre un stop. Pourquoi pas? Mais non. Pourquoi? Tu mets un stop, t'es vu. Alors, je vais te l'expliquer après, juste après, tu verras. Pourquoi lorsqu'on met un stop, on perd déjà dès le départ? Tu prends une opération, tu mets un stop, t'as perdu. Plusieurs raisons. Vous vous souvenez que j'avais fait une émission avec François, donc le représentant XTB Paris, où je lui avais fait dire que le stop, certains brokers suivaient les stops, c'est ce qu'on appelle en fait les stop hunters, et pouvaient vous desservir. Je vais vous expliquer comment. Parce que c'est bien beau de dire les choses, Luc, c'est bien beau de crier au loup, mais il va quand même falloir nous expliquer. Je suis là pour ça. N'hésite pas à m'interroger encore une fois sur le chat si véritablement tu as envie de, pourquoi pas, t'opposer à mon raisonnement. Parce que moi, j'aime effectivement vous répondre et vous donner des points essentiels. Il n'y a pas beaucoup de praticiens dans le monde du trading, pas beaucoup de gens qui se mettent à votre place, pas beaucoup de gens qui veulent effectivement que vous puissiez réussir et que vous puissiez vous vanter d'avoir gagné de l'argent. Donc, on va commencer non seulement à effectivement envisager pourquoi pas la perte, mais avant toute chose, envisager d'abord de gagner. Et on arrive là à la définition du stop loss. On a vu tout à l'heure que le stop loss, bien évidemment, était une frontière, infranchissable. Tu n'as pas le droit de la franchir. Manque de bol, elle peut être franchie. Oui. Comment ça se passe? En fait, quand tu prends une opération, tu dois positionner ton start, l'entrée. Si tu le mets en ordre conditionnel, tu indiques à ton broker, ton courtier, ta banque, ce que tu veux, là où tu dois rentrer. C'est-à-dire que tu décides de rentrer, par exemple, à 110. Tu décides de rentrer à 110. Là, il va y avoir effectivement un moment où tu vas te poser une bonne question. La première chose à réfléchir, c'est où mettre ton stop? Ou alors, à quel niveau va être ta target? Et c'est là où je suis extrêmement surpris de tous ces vendeurs de méthodes à la noix, de tous ces mecs qui parlent sur Internet pour rien dire, qui avant toute chose vont d'abord chercher à savoir ce qu'ils risquent de perdre avant même de savoir ce que tu es l'endroit d'aller gagner. Premier raisonnement, ton stop loss, une protection. Certes, t'inquiète. Tu vas voir que d'ici la fin de l'émission, tu ne verras plus le stop loss comme tu le vois maintenant. Deuxième possibilité, tu vas dire, voilà, je vais rentrer en position, mais je vais déjà calculer ma target. Et là, on va faire un peu de métaphore, c'est simple. Dans la vie, tout ce que tu le fais non pas pour échouer, tu le fais pour réussir. Ou alors, tu n'as rien compris. Il y a des gens, ils ne comprennent rien. Il y a des gens, tu leur expliques que si jamais ils ferment la porte sur leurs doigts, ils vont se faire mal. On a tous fait ça, ne rigolez pas. Ne soyez pas en train de vous moquer des uns et des autres. Parce que quand on est dans l'âge de l'adolescence ou quand on est dans l'âge de l'enfance, on doit tester. Donc on met les mains dans la porte et on ferme la porte et on se fait mal et on pleure. Sauf que nous, on sait le faire une fois. Et après, on se dit qu'effectivement, on ne mettra plus jamais les mains dans la porte. Le stop, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que le stop, tu vas le mettre une fois. Puis tu vas t'apercevoir qu'il va te desservir. Dans ce cas-là, tu te dis, je vais me poser une question. Alors il y en a, il leur faut 5, 6, 7, 8, 9, 10 expériences pour arriver effectivement à apercevoir que le stop est nuisible. Oui, tu l'as entendu, je le répète, je l'affirme. Le stop est ton ennemi. Oui, il est nuisible. T'inquiète, dans le déroulement de cette émission, tu vas tout comprendre. Le stop loss, c'est une ligne. Voilà, on trace un prix, on détermine un prix. Mais le stop loss n'intervient qu'à la fin de ta stratégie. Oui, parce qu'on n'en est pas au stade de prendre l'opération, là. On en est au stade simplement de pouvoir monter une stratégie. Donc, dans ta stratégie, étape numéro 1, ton start. Tu l'as noté, tu l'as écrit, tu l'as entouré. Je veux rentrer là. Alors, évidemment, c'est pas « I would like to be », c'est pas « je vais rentrer », c'est « je rentre pour quelque chose ». Première question, pourquoi je vais rentrer dans le marché à ce niveau-là? Ça fait l'objet des méthodes comme celle du Trader Ultimate Programme. On t'explique qu'effectivement, tu as des niveaux de points d'entrée, tu as des points d'entrée psychologiques, tu as des points d'entrée mécaniques, tu as des points d'entrée fondamentaux, tu as des points d'entrée systématiques, mais tu as un point d'entrée. Tu rentres pas parce que tout d'un coup… Tiens, il y a une petite voix qui te parle et tu dis « je rentre ».
Parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver dans un pullback énorme, mais instantané. Quand tu as rentré effectivement ton start, que tu dis à ton broker « je vais rentrer à tel niveau », si tu rentres haussé, entre conditionnel, tu vas t'intéresser immédiatement à aller savoir ce que le marché est susceptible de te donner et non pas ce qu'il est susceptible de te faire perdre. Je viens de tuer un moustique en live, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est en 4K, il est par terre, il ne me piquera pas. Voilà, c'est du live. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas mettre en place une stratégie, 90% des gens ne savent pas faire sinon plus ce qu'on appelle en fait de placer une target, d'aller chercher un objectif. Je prends un exemple tout bête. Tu traverses une rue. Si tu traverses la rue, on est d'accord, c'est pour aller d'un trottoir A à un trottoir B. Tu ne vas pas commencer à traverser la rue en te disant « je suis sur le trottoir A, mais je vais me réfugier à la boulangerie B ». Je vais au contraire effectivement aller chercher l'objectif et je vais aller chercher cette target. Je vais simplement vous mettre entre parenthèses qu'au stade où nous en sommes, l'élaboration de la stratégie, nous parlons de théorie et pas de pratique. Nous sommes des théoriciens au stade où nous en sommes. Et vous allez voir que cette information est importante parce que si vous n'en tenez pas compte, vous allez travailler à l'arrache, hein, pour être un petit peu familier, et vous allez rentrer n'importe comment, vous dire « zut, le marché se retourne, je rentre dans l'autre sens, zut, le marché se retourne, je rentre dans l'autre sens » et vous allez faire ça toute la journée. Vous allez payer le broker, mais vous n'aurez rien et vous ne gagnerez jamais rien. Je fais un clin d'œil à un trader alerte qui débute avec nous et qui se reconnaîtra dans l'exemple de ce que je viens de dire. Puisque lui, il a trader alerte, mais les traders alerte l'incombent peu, lui ce qu'il veut, c'est acheter quand il veut et vendre quand il veut. Règle numéro 1, le marché fait ce qu'il veut. Toi, tu vas simplement être le suiveur. Le marché te dit où il va. Toi, simplement tu peux proposer, sauf que c'est lui qui dispose, un peu comme dans un couple, hein, si ça vous rappelle quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que étape numéro 1, start, target. Alors autant le start, il y a des points précis que je développerai dans les prochaines émissions pédagogiques et dans l'événement XTB. Tiens, un petit coup de rappel, je vais vous mettre, parce qu'il le mérite, je vais vous mettre un petit coup de bannière. Tiens, hop là, je vais leur laisser la bannière. Je vous en parlerai de cette prise de position et de ce fameux start. On va chercher une target. Autant le start, il va falloir un point d'entrée, autant la target, il va falloir effectivement savoir l'installer. Parce que si tu fais du « I would like to be », on est d'accord que tu vas la mettre très haut, ta target, si tu es acheteur, et très bas, si tu es vendeur à découvert. Donc, tu rentres start, d'accord, mais tu as aussi des conditions de marché qui vont te permettre de définir au préalable, dans un mode d'anticipation, la capacité de mettre un objectif. Tout ce que tu fais dans la vie actuelle, il faut que tu places un objectif. Tu remarqueras que je ne t'ai encore pas parlé du stop. On est bien start, target. Et pour ma part, je m'arrête là. C'est fini. Ma stratégie est mise en place. Alors, pour être complètement sincère, je vais utiliser quand même le stop loss, mais juste avant de prendre position. Parce que lorsque la position sera engagée, ça sera terminé. Le stop disparaîtra. Je vais t'expliquer tout ça. En fait, quand on monte une stratégie, ce qui est important, c'est de définir ton point d'entrée, ton point effectivement de gain. Ça, tu l'as compris. Tu vas aussi, dans le même temps, te dire que si véritablement tu échoues, il va falloir effectivement sortir. Et là, dans un premier temps, ça ne sera pas un réflexe psychologique. Le mot réflexe est important dans ce que je t'exprime, puisque tu verras que tout de suite après, si tu adoptes ce mode réflexe, tu ne perdras plus, ou très peu, de manière insignifiante. Que dalle, walou, nada. Ça, c'est assez facile à comprendre. Mais tu vas le voir, je vais t'expliquer tout de suite après. Quand tu montes une stratégie, il va falloir effectivement que tu prennes en compte ce que tu t'attends à gagner, mais aussi que tu puisses prendre en compte ce que tu t'attends à perdre. Et c'est normal. Et c'est normal. Quand tu fais un truc dans la vie, tu t'attends effectivement à dire, bah, regarde, l'histoire du trottoir. Tu t'approches de la rue, tu t'engages à traverser, sauf qu'arrive une voiture très rapide. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en arrière. On est bien d'accord. Retiens bien la métaphore parce que c'est super important ce que je viens de te dire. Cette métaphore, peu de day traders l'ont de manière naturelle. Alors qu'ils le font tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie, quand ils font du business, quand ils font effectivement au quotidien, quand ils décident par exemple de se faire un café, quand le café arrive en haut de la tasse, tu ne vas pas t'amuser à laisser le café déborder de la tasse. Tu stoppes ta machine et tu sors et tu bois effectivement ton café. La métaphore est encore une fois importante, je résume. Quand tu es au stade de monter une stratégie, et là c'est important et ça va encore une fois peut-être fracasser tous les loulous qui se la racontent sur Internet et qui n'ont rien compris, mais qui sont là et qui ont peut-être d'ores et déjà mis le pouce vers le bas. On vous embrasse très fort. Quand tu montes ta stratégie, ton start, ta target, très important, tu sais là où tu pars et tu sais effectivement là où tu arrives. Attention, ta retenue,
Il n'y a rien d'empirique. Tout est bien calculé, normé. On sait pourquoi on rentre à tel niveau et on sait pourquoi tu sors à tel niveau. Et là, je sais qu'il y en a certains derrière leur écran qui disent « Mais Luc, vas-y, parle! Dis-nous !» Non, loulou. Je ne peux pas, effectivement, résumer en histoire d'une demi-heure comment mettre un start et comment mettre une target. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi ton stop-loss, tu ne le mettras plus. Tu n'utiliseras plus. Plus jamais. Parce que tu n'en voudras plus. Parce que quand tu es mal accompagné sur un trade, c'est lui qui t'accompagne mal. Et c'est lui qui te nuit psychologiquement, mécaniquement, économiquement, financièrement. C'est lui qui te casse la tête. C'est lui qui te fait perdre. Sachez effectivement noter dans les 10 dernières opérations combien de fois le stop vous a enquiquiné. Dites-le. Soyez honnête avec vous-même. Dites-vous combien de fois dans les 10 dernières opérations ce stop vous a sorti d'une opération. Dites-le. Combien de fois il vous a laissé effectivement perdre. Je vais encore ajouter un cran supérieur. Combien de fois vous avez mis un stop mais vous ne l'avez pas respecté. Combien de fois vous avez été en mode espoir. Combien de fois vous avez décidé effectivement que les pertes, c'était pas grave et qu'en définitive, ça allait remonter. Notez-le. Vous ne le ferez plus jamais. Si vous êtes assidu, et je sais que vous l'êtes, si vous êtes intelligent, et je sais que vous l'êtes, plus jamais, vous laisserez cette espèce de truc vous enquiquiner. Parce qu'il vous embête du début jusqu'à la fin. Même quand vous gagnez, il vous embête. Parce qu'un day trader, je parle d'un day trader, je ne parle pas d'investisseur, je parle d'un day trader, quelqu'un qui agit sur des mouvements rapides. On parlera des investisseurs plus tard. Les day traders veulent que dès qu'ils prennent position, ça monte. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Moi, quand j'engage la clé de contact dans ma voiture et que j'accélère, je n'ai pas envie de faire une marche arrière. J'ai envie effectivement que ça avance. Si je fais une marche arrière et que j'ai un mur derrière, je me mange le mur. L'objectif, c'est de prendre une position et de rentrer. Et je dois dire qu'avec la méthode du Trader Ultimate Programme et même les traders alertes, on se fait plaisir. Pour être honnête, une journée comme celle-ci, c'est plutôt hard, même très hard, voire double XL hard. Donc les techniques que je vais vous apprendre, que je vais enseigner là d'ici quelques instants, sont d'abord relativement simples. Elles s'appliquent à tout le monde. Elles sont duplicables quel que soit ton statut de trader. Des traders, scalpers, swing traders, des swing traders. Les investisseurs, c'est différent. Je viendrai en fin d'émission vous expliquer ma perception du stop loss pour l'investisseur. Pour l'instant, on est court terme, très court terme. Et tu sais une chose, c'est que quand tu prends une position, tu n'as qu'une seule idée en tête, c'est de gagner. La problématique, c'est pas de savoir combien tu t'autorises à perdre, c'est de savoir combien de temps ça va prendre pour gagner. Tu vois où je veux en venir ou pas? Regarde, tu prends une opération. Sur 10 opérations que tu as mises en stratégie, tu en as 9 qui gagnent, vrai ou pas vrai? Regarde, si tu es un petit peu malin, que tu sais te débrouiller un petit peu sur les marchés, quand tu mets en place une stratégie, tu gagnes 9 fois sur 10 en virtuel. Et tu perds 9 fois sur 10 en réel. Pourquoi? Il y a bien un problème de facteur psychologique. Quand tu es en réel, qu'est-ce qui te fait perdre? C'est bien ton stop. Alors on va le dégager, l'éliminer, le pulvériser. Et tu vas voir comment d'ici quelques instants. Je vais me tourner vers Charlotte pour savoir s'il y a déjà des questions qui sont en train d'être posées. Charlotte? Vous êtes très attentif. N'hésitez pas. Si vous êtes contre à rien, n'hésitez pas à poser vos questions. On continue. Dans le schéma, on en est au stade où la stratégie est montée. On a un start, on a une target, et oui, il va falloir aussi tenir compte d'un stop loss. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Une barrière, un péage, un stop loss, comme vous en avez envie. Petite aléa, un stop loss n'est pas à confondre avec un stop d'entrée. Vous avez la possibilité de placer ce qu'on appelle un sell stop. D'accord ? Où vous avez effectivement la possibilité de demander à votre broker qui vous exécute sur un niveau de stop. C'est aussi possible, absolument. Ce fameux stop, on en a besoin pour quelque chose de fondamental. Ben oui, ce stop loss va être sur le papier, je vous le montre, c'est un papier comme celui-ci, avec un stylo comme celui-ci, et il n'ira pas sur vos graphiques, je vous le dis déjà, mais je vais vous le répéter. On va marquer ce stop sur le papier, mais on ne va pas le marquer n'importe comment. On va aussi lui donner un chiffre important. Je vais vous mettre sur la voie. Quand on trace un stop loss sur son graphique ou sur son papier, on va tenir compte d'un fait établi. D'abord, vous allez me bannir et me chasser, me dégager, j'aime ce mot ce soir, me pulvériser, mais loin, hein, très très fort, tous ceux qui vous demandent de protéger votre position avec des notions de ratio de 1% du capital, de 0,5% du capital,
de 2% du capital, de 3, de 4, de 5, de 10, de ce que tu veux, ça vaut rien. Zéro, walou, nada, tu me les pulvérises, tu les envoies sur Mars, d'accord? Et s'ils sont pas assez hauts sur Mars, tu me les envoies sur Jupiter. Voilà, comme ça au moins ils sont loin. Arrête de croire toutes ces conneries. Eux, ils ne le font pas eux-mêmes. Tu sais pourquoi? Qui tu es toi pour décider que le marché risque de se retourner uniquement de 0,5%? Qui tu es toi pour décider que le marché n'ira pas avec une position à l'envers à 0,5%? Qui tu es toi pour décider que tu protégeras ta position de 1% de ton capital? Et si j'ai 1 000 000 d'euros moi en capital, t'es loco ou quoi? Jamais je vais mettre 1% de protection de mon capital. Vous êtes fous. Jamais, absolument jamais. Donc déjà, avec ce que je viens de vous dire, vous allez faire le tri sur 10 acteurs du secteur, il vous en reste déjà plus que 2. Sur les 2 qui vous restent, je souhaite que je sois dans les 2, sur les 2 qui vous restent, il y en a un qui est un peu plus malin que l'autre. Il va expliquer que le stop loss, c'est une règle immuable dans laquelle tu dois avoir un maximum de 10%, 15% de ta target. Très intelligent, mais complètement stupide. Bah oui, mais Luc, tu viens de dire que c'est très intelligent. Bah oui, mais c'est quand même complètement stupide. Pourquoi? Qui tu es toi pour dire que tu vas protéger à 5 points? Qui tu es toi pour dire que tu vas protéger à 10 points? Qui tu es toi pour dire que tu vas protéger à 50 points? Arrêtons le carnaval! C'est du grand n'importe quoi! Mais alors Luc, d'accord, ok pour tout ce que tu dis, mais comment fait-on pour placer un stop loss? Allez, là je vais vous le dire, clairement. Je vais d'abord commencer par un truc simple à comprendre. Si tu décides de rentrer sur une position et que tu vas chercher une résistance, truc basique, simple, facile, mais qui a l'avantage de fonctionner. Bah oui, parce que la résistance reste quand même le prix psychologique attendu par ceux qui veulent vendre le marché. Bah oui, tu rentres et tu te mets une target à la résistance. Tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Alors je ne dis pas que toutes les targets doivent être mises sur une résistance et je dis encore moins qu'une target doit être placée sur la résistance numéro 1. La plupart du temps, on cherche les résistances majeures. Il y a un ensemble d'éléments qui permettent effectivement d'arriver à un consensus qui fait dire que c'est cette résistance-là. Les résistances correspondent pour moi à peu près 1 à 2 à 3% de mes targets. Autant dire quasiment rien. Il y a des éléments beaucoup plus probants. Mais prenons cet exemple-ci. On va placer effectivement la target sur une résistance. D'après toi, allez, petite réflexion, d'après toi, si je prends position, admettons, sur la résistance numéro 1 et que je vais chercher ma résistance numéro 2, quel va être le niveau de prix attendu pour pouvoir placer un stop loss théorique? I repeat. Si je prends position R1, que je vais chercher R2, je vais placer mon stop loss à quel niveau? Moins 5? Moins 10? Moins 15? Moins 20? J'ai même des orteils, hein, je peux faire ça avec tout. Hein. Où vais-je placer, à ton avis, le stop loss? Allez, petite pause de 2 petites secondes. Dites-moi ce que vous en pensez. Pendant ce temps-là, petit coup de whisky. Non, bien sûr, alcool avec modération. Je t'écoute, Charlotte, pour les questions. La première, c'est de Olivier qui demande « Le stop n'est-il pas nécessaire pour le calcul de la position ?» Alors, la phrase n'est pas assez développée, mais je sais où tu veux en venir, Olivier, et la réponse arrive d'ici quelques instants. Très intelligent, Olivier, très très malin. Je te réponds d'ici quelques instants. Je vois où tu veux en venir, même si ta phrase n'est pas assez fournie, je sais ce que tu veux me dire et je te réponds tout de suite après. Quoi d'autre, Charlotte ? Très bonne question. Quelle va être ta garantie d'un stop? Il n'y en a pas. Zéro. Walou. Alors, je fais un clin d'œil à tous ces brokers qui ont inventé le stop négatif. Je répète. Quand je place un stop chez mon broker, à aucun moment, ton stop est garanti d'être déclenché sur un prix. À aucun moment, tu as la certitude que le broker te sortira sur le prix de ton stop loss. À aucun moment, tu peux dire « Je vais aller me servir un café, si ça descend, mon broker m'exécutera. » À aucun moment, tu peux avoir cette certitude. Ça va? Alors, certains brokers ont inventé le stop garanti. Un stop très cher, un stop très très cher, un stop très 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 cher et un stop qui effectivement peut te permettre de garantir pas grand-chose. Parce qu'en définitive, il suffit que tu prennes l'exemple du CHF avec la levée de la valeur plancher du CHF. Quand on a perdu 40% sur le CHF, qui était capable de garantir un stop? Combien de centaines de millions d'euros
ont été perdus parce que les stops tapés n'avaient pas été déclenchés. Combien d'argent ont perdu les brokers à ce moment-là? Soyons lucides, il n'existe pas de stop garanti. Et j'attends n'importe quel broker, aimablement, gentiment, dans de très bonnes dispositions, à venir dans l'émission nous expliquer en quoi son stop serait garanti financièrement, jusqu'à quelle hauteur et jusqu'à quel sinistre il pourrait garantir ton stop. Une autre question, Charlotte ? Oui, une de Jean-Luc. Imagine tu es en position et tu as une coupure de courant et pas de stop loss. Tu sors comment ? Tu ouvres la porte et tu t'en vas en courant et en pleurant. Non, je plaisante. Tu n'as pas mis de stop loss, tu as une coupure de courant. T'as un smartphone. Attends, si t'as un broker qui n'a pas d'application smartphone, t'es ouf, t'es malade. Tu ne peux pas partir avec effectivement une coupure de courant en te disant « t'inquiète, je vais aller embrasser la tête de Bouddha pour croire qu'effectivement ça va aller dans le bon sens. » Cette petite chose-là, c'est ta boîte de secours. Tu as de la 4G, tu as effectivement la possibilité d'ouvrir ta plateforme et pouvoir trader. Ça m'est arrivé. Je ne suis pas en train de t'expliquer qu'il faut prendre tes positions avec ça. Tu n'as pas le droit, interdit, verboten, d'accord ? Pas le droit. Tu ne vas pas t'amuser à trader avec ça. Alors, je mets un hola, puisque je fais un petit coucou et une petite accolade à Laurent et sa charmante épouse. Quand on était à Tokyo ensemble, on avait un gars, un japonais, qui avait un smartphone à peu près grand comme ça dans le métro et qui avait 4 écrans ouverts sur son smartphone en train de trader. C'est différent. Si tu sais tenir un smartphone à deux mains, ou alors tiens, allez, on va rigoler 2 minutes. Ça là, mais pour téléphoner, c'est un peu plus gros quand même, hein, c'est un peu plus enquiquinant. Tu as la possibilité d'être en 4G, même avec un partage effectivement de connexion Internet et de pouvoir sortir de ta position. Il faut effectivement être prêt, quoi qu'il arrive, à utiliser la plateforme d'un broker mobile. Et là, pour ça, XTB, top. Génial. Clairement, c'est top. C'est évident. Quoi d'autre, Charlotte ? Alors, je te donne la question si tu peux juste la répéter parce qu'il m'en... Oui, je viens de le voir, oui. Le broker manipule-t-il le cours pour taper ton stop ? Alors, je vais être très franc, parce que j'ai rien à vous cacher, je fais ce métier depuis 20 ans et j'ai vu tout et n'importe quoi. Et vous vous amuserez à aller chercher sur YouTube les informations relatives à quelque chose qui s'appelle le Stop Hunter. J'ai fait une vidéo dans laquelle je prends une position, argent réel, bien sûr, n'en déplaise à ceux qui sont les décrieurs, avec de l'argent réel, je suis rentré en position et je m'amusais à mettre un stop, l'enlever, mettre un stop, l'enlever. J'ai pris l'argent à la fin, c'est moi qui ai gagné. Mais vous allez voir avec quelle difficulté il y a effectivement cette possibilité de mettre un stop en toute quiétude. Alors, mythe ou réalité, est-ce qu'il existe des stop hunters ? Est-ce que véritablement les brokers chassent les stops ? D'abord, il faut savoir que si le broker fait ça, c'est un fucking broker. Bah ouais, je sais bien, je suis un peu vulgaire. Mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois. Et j'ai d'ailleurs été le premier à dire ouvertement et clairement, puisqu'il y a très peu de praticiens, même les gens qui disent qu'ils perdent beaucoup d'argent, la plupart du temps, ils ne savent pas travailler. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y en a qui chassent vos stops. Broker, pas broker, on s'en fout. Ce n'est pas un problème. Mais la question est très intelligente. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un stop ? Rappelons-nous. Quand tu passes un OC sur le market, quand tu rentres avec une programmation d'ordre sur le marché, la plupart du temps, le broker te dit « Oula, 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 first time ». Tu vas commencer à rentrer ton start et immédiatement après, sans avoir à prendre une deuxième bouffée d'air, tu vas placer un stop loss. Voilà la méthode miracle. Alors là, c'est le Messie qui vient d'arriver. Hein, le Messie, on l'a aussi ici, mais il est footballeur et lui, il n'utilise pas de stop loss. Quand il tire, il tire. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu mets un stop loss au marché, c'est-à-dire que clairement, tu désignes un ordre conditionnel de sortie en cas de perte, où se trouve ton ordre ? Sur le carnet. Tu viens d'envoyer un ordre vendeur à perte sur le carnet, visible par tout le monde. C'est logique. Aussi bien ton OC acheteur passe sur le carnet, aussi bien ton stop loss passe sur le carnet. Alors figure-toi que ça existe des fucking brokers. Ça existe, ils prennent des amendes énormes. Il y en a encore un français, hein, un mec qui se dit blanc comme la colombe, hein, un mec qui travaille avec un mec qui effectivement perd des fortunes sur Internet, mais... C'est the best of the world of the universe. Si ce broker se reconnaît, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, j'aimerais, s'il vous plaît, en toute objectivité, que vous puissiez venir sur mon plateau et qu'on puisse ouvrir un débat comme je l'ai fait avec XTB et François, que je salue bien bas. Les brokers n'agissent pas à visage découvert. Les brokers agissent comme des fucker brokers.
Comment font-ils ça? Ils vendent vos positions à un market maker. C'est-à-dire que quand on voit un ordre, lui, en fait, récupère ton ordre, il l'envoie à un trader qui est délocalisé par rapport à son desk, et lui va arbitrer en face de toi. Et il aura plus de facilité à toi de rentrer. Tu looks FXCM, je dis ce que je pense, USA par contre, hein, FXCM, USA. Tu looks USA, FXCM, ils se sont fait sortir des États-Unis, pourquoi? Parce qu'ils ne se lavaient pas les dents le matin. Non, ils ont été accusés de manipulation de cours et d'ingérence dans les ordres de leurs clients. Il faut être honnête, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, il y a des stop hunters. Je viens de te donner un élément important, tu l'as compris. En définitive, quand tu passes un stop, tu es en train de placer ta perte sur le carnet. Alors, quand tu es sur un marché à chambre de compensation market, en définitive, bon, ça se noie dans la masse. Même si quand tu viens dans le Trader Ultimate Programme, et je fais un coucou à tous les Trader Ultimate Programme, je vous apprends à détecter les beginners qui nous sortent des ordres conditionnels gagnants, perdants. Toi-même, tu peux devenir un stop hunter et profiter de la naïveté des autres. Aimerais-je d'ailleurs ajouter que la bourse reste un jeu à somme nulle. Ceux qui perdent donnent à ceux qui gagnent. Quel meilleur exemple on a aujourd'hui que de voir des institutionnels nous faire croire que le marché va craquer? On l'entend partout. Le crack, la baisse, la chute. Il y a même un mec sur Internet qui n'y connaît rien, qui se tient le ventre sur sa photo et qui est en train de te dire, il est en train de t'apprendre comment tu peux savoir à quelle heure, quel jour, il va y avoir un crack. Je crois qu'il fait aussi en deal avec le professeur Nyakate dans le 18e, il fait revenir les trémés, lui, je crois. Mais il faut arrêter les conneries, les loulous. En définitive, quand tu y penses, tu es en train de dévoiler ton jeu. Tu joues au poker, mais cartes retournées. Tu bluffes plus. Tu games plus. Tu balances tout. Tu travailles sans filet. Et là, ça devient dingue. Alors oui, réponse, je ne parlerai pas de brokers à visage découvert, mais des brokers à visage couvert, des institutionnels et des market makers. Parce que si en plus tu t'amuses à travailler sur CFD et sur Forex, les brokers n'ont même pas besoin d'aller regarder sur le market. Ils savent exactement où tu es passé. Ils peuvent parfaitement t'exécuter. Tu veux acheter? Je te vends. Je te dégoupille de 2 points. Je te rachète parce que tu m'as mis un stop à 2 points. Parce que tu as été écouter l'autre luberlu qui t'a dit qu'il fallait mettre un stop à 2 points. Pourquoi pas à 3? Pourquoi pas à 4? Pourquoi pas à 5? Est-ce que j'ai su répondre à ta question? Tiens, mets-le. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ma réponse te va? Ou est-ce que tu as un argument pour me contrer? Si les brokers sont avec nous, open your eyes. En tout cas, aware. Je suis aware. Allez-y. Mettez-moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-moi un élément frappant, un élément effectivement pertinent, et je viendrai m'excuser à plate excuse devant vous, et je vous dirai j'ai tort. Les gars, ça fait 20 ans que je suis sur le marché. Ça fait 20 ans que je sais comment vous travaillez. Des brokers honnêtes, il y en a à peine, comme sur le nombre de doigts sur ma main. Tu vois? Donc, ouais, effectivement, tu as des stop hunters. Regarde sur YouTube. Alors, pas maintenant, on n'a pas fini l'émission, on n'en est qu'au début. Regarde sur YouTube, il y aura des trucs intéressants. Une autre question, en tout cas. Oui, je viens de te le dire. Tu sais pourquoi ils sont visibles sur le carnet? Pour 2 raisons. La première, si tu es sur un broker futur ou market, type action ou autre, en définitive, c'est une obligation légale. Tu es obligé de rentrer les ordres de tes clients sur le carnet. Alors, comme les mecs qui débutent sont des froussards la plupart du temps, ils te rentrent un start et ils vont te protéger à -2 ou -3, eh ben, leur position avec un stop. Donc, tu es looké. Parce que quand tu rentres sur une ligne où tu as 400 lots, tu plonges, tu vois rien. Mais la plupart du temps, vous allez me chercher des endroits où vous êtes tout seul. Alors ça, je te l'explique. Je t'explique dans le Trader Ultimate Programme, sur un carnet, comment passer inaperçu. Parce que la plupart du temps, vous écoutez l'autre abruti qui est à Paris et qui nous fait n'importe quoi sur le carnet et qui se prend encore pour le roi. N'écoutez pas ces conneries. Le dernier qui l'a écouté, il a perdu 250 millions sur le marché. Bien sûr que le stop est mis sur le carnet. Bien sûr, effectivement, que la target est mise sur le carnet. Ne me dites pas non plus que j'ai un discours désagréable vis-à-vis de ce garçon qui a été capable de me traiter de nom d'oiseau encore en fin d'année dernière. D'accord? C'est un nul, un ridicule. Et si lui vous engage à mettre vos stops sur le carnet, c'est un menteur et un voleur. Parce qu'il est en train de servir un broker. Je suis clair, je ne peux pas être plus clair. Quoi d'autre, Charlotte? J'ai quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris, qui dit alors stop ou pas stop, et si pas stop, quand sortira? Écoute, tu es au début du film. Tu es en train de m'expliquer, tu veux la fin du film. Laisse-moi avoir un peu de suspense. Qui est celui qui a tué, la victime, le coupable? On y arrive. On n'en est qu'au début. T'es pressé? Ben, il faut regarder l'émission en replay. Voilà. Quoi d'autre, Charlotte? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi sur le crack. Il dit qu'il y
Alors, quelqu'un nous dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Il y a un broker qui garantit les stops avec un slippage de 50%. Mais quoi qu'il arrive, c'est garanti. Je te souhaite bien du bonheur. Parce que si le stop ne correspond qu'à une vingtaine de points ou une trentaine de points, j'imagine qu'ils te paieront, il n'y a pas de problème. Mais si ton stop, c'est 40% de ta taille de position et que tu viens de perdre 2,5 millions d'euros ou même 50 000 euros, tu vas devoir courir vite, je te garantis. Pas de problème. Moi, je te fais confiance. Il n'y a pas de souci. Ton stop est garanti, garanti. Mais tu sais quoi? Moi, je préfère croire personne. Mon stop, c'est moi. Et tu sais quoi? Je suis droitier. Eh bien, mon stop, c'est ma main droite. Et je vais t'expliquer pourquoi. À toi, Charlotte. Autre chose? Ok, on continue. Quand tu utilises un stop, tu l'as compris, tu es sur le carnet. Tu as donc ton start, ta target et ton stop. J'en étais à vous dire, tu vas rentrer sur un start, admettons que tu achètes le marché, tu vas rentrer sur ton R1. Jusque-là, tranquillou. Tu vas aller chercher ton R2. Jusque-là, bon, même le teubé ou l'abruti ou le mec effectivement qui perd des dizaines de milliers d'euros par jour va comprendre ce que je lui exprime. Il aura peut-être d'ailleurs trouvé une méthode meilleure que la sienne. Qu'est-ce qui va te permettre, écoute bien, tiens, toi qui voulais partir très vite parce que tu avais un rendez-vous, ça vaut peut-être le coup d'attendre encore 2-3 minutes. Qu'est-ce qui va te permettre de placer un stop? Toi, ton épouse, ton mari, le pendule, le flair, le temps qui fait, celui qui est capable de dire l'heure et le jour du crash, manque de bol, il s'est loupé. Hein. Non, il n'y en a qu'un qui peut te dire en fait comment placer ton stop. Il n'y en a qu'un qui va pouvoir effectivement te marquer, te montrer, t'expliquer, te valider ton stop. C'est qui? Ton voisin? Non. Moi, il fait du bruit, le mien. Bah, c'est le marché. Le marché te dit tout. Ton graphique. Pas ton banquier. Je sais qu'il y en a qui pensent, mon banquier, je l'adore, je l'aime, il m'envoie tout. Non, 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 non. Le seul qui est capable de te dire où placer ton stop, d'un point de vue théorique, c'est le marché. Et là, on va essayer de réfléchir un petit peu. On rentre sur un R1. On target sur un R2. On va mettre un stop à quel endroit? Faites-moi plaisir, ceux qui savent. Mettez-le moi sur le chat pour savoir si vous vous en souvenez. Ceux à qui peut-être j'ai déjà appris cette chose-là. Le S1. Bravo, Bécry. Ça ne m'étonne pas. On le connaît, Bécry. Absolument. En définitive, ce que tu t'attends effectivement en ligne de start, c'est bien ton seuil psychologique qui va te permettre de rentrer au marché. Ce n'est pas toi qui l'as deviné. C'est le marché qui te l'a montré. Si tu utilises des supports et des résistances, comme le font la plupart des day traders pour pouvoir acheter et vendre, tu vas acheter au R1. Tu vas effectivement vendre avec des gains au R2, mais tu protégeras au S1. Luc, c'est quoi S1? C'est quoi S1? Bah, c'est le contraire de ton R1. Si ton R1, c'est résistance 1, ton S1, c'est support 1. Pourquoi tu veux essayer de me trouver autre chose? En définitive, ce qui te fait acheter te fera vendre avec perte le contraire. Ça ne peut pas être autre chose que le contraire qui te fasse vendre. Ce n'est pas toi avec tes petits bras musclés parce que tu tires de sur la fonte depuis une semaine qui va essayer de diriger le marché. Le marché, simplement, il te dit bah, si tu me rentres sur ce niveau-là, tu dois chercher le point contraire pour pouvoir sortir. Mais c'est la base. Alors les loulous, souvenez-vous, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2018. Il est 7h20. Souvenez-vous, vous allez voir plein de vidéos. Hein. Un petit gamin là, qui a encore un peu d'acné sur le visage qui va dire « Pour trouver un stop, voilà le secret. » Et va vous le sortir parce que lui, il fait tout ce que je fais. Il y a plein de mecs qui vont comprendre ce que je suis en train de leur dire. Bon, attends, le stop ne se met pas que sur un S1, on est bien d'accord. Le stop, effectivement, s'appréhende avec une technique qui permet d'avoir de la quasi-certitude. Le mot est lâché! La quasi-certitude. En définitive, on est bien encore sur le papier. On n'est pas encore sur le marché. Donc, en définitive, tu es toujours dans une formule de calcul mathématique. Parce que si tu sais tracer un start, si tu sais tracer une target, déjà, tu as fait à peu près 80% du boulot, voire 90%. S'il te plaît, le mec qui t'apprend à placer un stop avant de placer une target, tu lui donnes 10 euros pour qu'il aille se chercher un café, toi, tu cours. Hein. Tu lui dis, je reviens, je vais chercher un paquet de clopes et tu t'en vas en courant. Arrêtez de croire qu'une méthode, c'est placer un stop. Arrêtez de croire que ce qui va vous sauver, c'est placer un stop. Une bouée n'a jamais effectivement sauvé un naufrage. Jamais. Ce qui sait te sortir d'affaire quand tu es sur un naufrage, c'est de savoir nager. Ce n'est pas d'avoir une bouée. Enfin, ça me paraît évident. On continue. Donc, on a trouvé effectivement ce qui était susceptible de pouvoir placer le stop. Si ça t'intéresse effectivement ce genre de choses, n'hésite pas à t'inscrire au 09 80 08 20 11.
09 80 08 11, parce que tout ça, je t'explique comment placer un start, un stop, une target. Au stade de l'émission, tu es en train de te dire, mais attends, Luc, il est complètement loco. Le titre de l'émission, c'est « Bannir les stops sont dangereux », il est en train de nous dire comment placer un stop. Oui, mais là, ce stop-là, il a une fonction. Il est même très intéressant. Dans la recette de la mayonnaise qu'on est en train de faire, il va falloir effectivement aussi bien mettre un start, une target qu'un stop. Pourquoi ? Moi, personnellement, je ne fais rien, absolument rien, et je ne te parle pas de day trading, je te parle dans la vie entière, sans calculer quoi, là où je veux arriver, et ce qui risque de m'arriver si jamais je me trompe. Tu le fais tous les jours. Tous les jours, tu traverses une rue, tous les jours, tu prends ta voiture, tous les jours. Celui qui prend sa voiture à la der, sans tenir compte des embouteillages et qui risque effectivement d'arriver en retard, il est déjà à peine dans la voiture qui se fait dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu prends un petit peu d'avance, que tu as déjà calculé que s'il y a un embouteillage, tu prendras la route à droite, déjà tu es tranquille. Tu sais ce qui risque de t'arriver. Et pour un day trader, ce qui risque de lui arriver, c'est quoi ? Il sait ce qu'il va gagner, puisqu'il suffit simplement de faire une soustraction entre la target et le start. C'est quand même pas compliqué. Alors, ça ne vaut que si tu achètes le marché. Si tu le vends à découvert, c'est complètement différent. Mais on reste dans l'exemple simple. Si tout à l'heure, j'achetais effectivement à 110 mon marché et que je place une target à 117, je m'attends à gagner 7. C'est quand même pas très compliqué. Je suis sûr que même les mecs qui nous balancent n'importe quoi tous les jours sur Internet sauront prendre sans calculatrice un petit peu de calcul mental. Je m'attends à gagner 7. Si mon S1, lui, par contre, est placé aussi, admettons, 110, il est placé à 113, ben, je m'attends à perdre 7. C'est-à-dire qu'en fait, je m'attends à gagner 7, mais je m'attends aussi à perdre 7. Donc déjà, sur le papier, il y a un loup. Ça ne va pas. Il y a un bug. On pourrait appeler ça, je ne sais pas, une erreur, comme ils disent ici. Et comme disent les Espagnols, es fatal. C'est fatal. Quelqu'un, un des traders qui vient à côté de moi, qui me montre une stratégie dans laquelle il s'attend à gagner autant qu'il est prêt à perdre, je lui dis, écoute, loulou, on va au café, on se prend une tisane et on revient et on se remet sur le marché. On ne va pas travailler avec autant de possibilités de gains que de pertes. Oh, il faut revenir à la réalité quand même. Et il y en a plein qui font ça. Alors imagine maintenant ce que ça donne 0,5% de ton capital. Soit tu as très peu de capital et tu as très peu de pertes et tu te fais allumer en permanence puisque ton stop est tapé tout le temps. Soit tu as beaucoup de capital et puis en définitive, ta perte elle est incommensurable parce que de toute façon, tu vas être très bas. Toujours dans un marché où tu t'attends à acheter. Est-ce que je suis clair ? Est-ce qu'au stade où on en est, est-ce que véritablement la compréhension est distincte pour tout le monde ? On va calculer un stop uniquement pour une chose, acquérir de la quasi-certitude. On va calculer ce qu'on appelle un risque reward. Et c'est tout ! Et c'est tout, point ! Une fois qu'on a calculé son risque reward, on sait une chose, une seule, combien je suis prêt à perdre par rapport à ce que je m'attends à gagner. Et forcément, vous êtes des gens logiques. Vous n'avez jamais fait une opération dans votre vie où vous vous attendiez à perdre plus que ce que vous alliez gagner. Tu n'as jamais acheté une voiture 20 000 euros le jeudi pour la revendre le vendredi 2 000 euros. Jamais. Pourquoi tu vas engager une position sur un marché où tu vas t'attendre à gagner 10 pour perdre 20 ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors, il y a ceux qui ont beaucoup d'ego, beaucoup d'estime d'eux et qui vont penser que ce que je dis, c'est naturel. Sauf que toi, là, regarde-toi bien. Combien de fois tu as laissé la chance au produit ? Tiens, une nouvelle phrase, notez-le. Jeudi 20 septembre, Luc parle de laisser la chance au produit. Vous allez voir que vous allez le retrouver parce que tout ce que je dis est amplifié. Vous allez voir, partout, ils vont commencer à dire « Ouais, la chance au produit, la chance au produit ». Je suis sûr qu'il y en a qui ont pris de quoi noter, qui disent oh, « vite, vite, il faut noter », ou même regarder en replay, en ralenti, alors il s'est rasé, pas rasé, il a mis des lunettes. La chance au produit. Je n'ai jamais laissé la chance au produit. Jamais, 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 jamais. Pourquoi ? Dans un jeu, dans une opération, où tu ne maîtrises rien, walou, nada, kechi, comme tu veux, tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à gagner ? Tant mieux pour toi. Tu t'attends à perdre ? Oui, je suis sûr que tu t'attends à perdre. Je suis sûr que 80% des gens qui engagent une opération, dès qu'ils ont cliqué sur le bouton, ils se font dessus. J'en suis certain. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Pas confiance dans la stratégie. La plupart du temps, ils n'ont aucune méthode. Ils reçoivent des conseils de Lulu Berlu qui perd en live 3 500 euros. Il se reconnaîtra. Bravo à lui. Continue.
Il faut que des gens perdent sur le marché pour qu'on puisse gagner. Un clin d'œil à tous mes traders alertes. Je vous aime. Pourquoi ? Pourquoi toi ? Toi qui es patron, chef d'entreprise, salarié, dirigeant, cadre, pourquoi dans tout ce que tu fais dans ton travail, tu le fais avec intelligence ? Et pourquoi quand tu es sur le marché, tu fais n'importe quoi ? Pourquoi tu places un niveau où de toute façon, tu sais que le marché va aller ? Pourquoi ? T'engages un truc, tu dis « Ouais, de toute façon, je suis sûr que je vais aller, je vais rentrer, je vais mettre un stop, le stop va être tapé, ça va repartir. » Ben évidemment que tu as raison. Évidemment. Évidemment, quand tu vas mettre un stop, le marché va descendre, il va exécuter ton stop et tu vas repartir. Évidemment. Puisque ton stop, c'est un ordre d'achat pour tous les loulous qui t'ont vendu juste avant. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus belle démonstration de la manipulation des institutionnels qui ont besoin de papier et qui créent des vendeurs pour pouvoir eux-mêmes acheter. Ça va trop vite, ça va trop loin. Prends le temps d'apprendre. 09 80 08 20 11. Prends le temps d'apprendre. Le trading s'apprend. Prends le temps d'apprendre. Mais le coup, tu vas en venir. On va savoir comment on peut se passer d'un stop. Mais oui, promis, juré, craché. Ça arrive. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir travailler sans stop. Est-ce qu'on a des questions, Charlotte, pendant que je me rince un petit peu la gorge ? Excellente question. Mais paradoxe. Avec plaisir, Charlotte. Je me fais disputer en plus par la régie qui me dit « Luc, t'as intérêt à répéter la question, sinon je te casse la figure. » C'est... comment s'appelle-t-il ? C'est Youssef. Excellente question, Youssef. Luc, pourquoi tu n'utilises pas un stop suiveur ou un trailing stop plutôt que d'engager à target ? Je vais te répondre deux choses. D'abord parce qu'il y a une règle simple chez les day traders qui dit « coupe tes pertes et laisse filer tes gains ». Tu l'as entendu. Pour les gens qui débutent, ça ne veut rien dire. Pour les gens qui effectivement connaissent, ça veut tout dire. Et va dans une salle de marché et va demander à un sales s'il place des stops au marché. Même un trailing stop, il n'en place pas. Parce qu'en fait, un trailing stop, soit tu le serres trop et à la moindre respiration, tu dégages. Soit tu ne le serres pas assez, ce que tu as gagné, tu le repères. En définitive, tu as le cul entre deux chaises, tu te lèves un coup, la chaise tombe, tu te casses la gueule. En gros, c'est ça. Donc, tu sèfles le trailing stop ? Maybe. Mais on va l'utiliser peut-être avec un système très simple. Et je vais être amené à vous parler de ce qu'on appelle le break-even. Tiens, on va en parler de ça. Et tu vas voir que c'est super intéressant. D'autres questions ? D'accord. Cyril qui nous dit, Luc, tu es peut-être plus malin que les autres, mais je reconnais ton discours. J'ai jamais, moi, été plus malin que les autres. J'appelle un chat un chat. Un chien un chat. Non, un chien, bien sûr. Un Cyril, un Cyril. Je suis pragmatique. Moi, tu m'enfumes avec tes histoires, je comprends rien. Quand les gens commencent d'ailleurs à m'enfumer, il suffit de regarder le discours de Benalla devant je ne sais même plus d'ailleurs, je crois que c'est une cellule spéciale, enfin bref, peu importe. C'est le spécialiste de l'enfumage. Alors pour être précis, bah moi je peux vous la faire celle-là. Et je vous endors. Tu sais quand tu regardes le livre de la jungle avec le serpent là, et confiance, aucun intérêt. On y arrive sur le stop, t'inquiète pas. On va parler du stop suiveur, du training stop, du break-even. On va parler de savoir se passer d'un stop. Donc, on en est au stade où tu as placé sur un papier ce que tu t'attends à gagner et à perdre. Donc d'ores et déjà, tu es intelligent, tu sais très bien que tu dois aller sur les positions qui t'offrent plus de possibilités de gains que de pertes. Alors, il y a des prétentieux qui vont dire « Luc, tu ne nous apprends rien, on le savait, non. » Peu importe. Peut-être que tu ne sais pas encore à quel niveau de RR, au minimum, tu dois avoir pour pouvoir rentrer. Mais ça, je te l'apprends. Viens, viens, on est bien. Viens au Trader Ultimate Programme. On continue sur le stop. Une fois que tu as mis ton stop sur le papier, si jamais tu engages une position en mettant chez ton broker, quel qu'il soit, market ou broker, soit il est un champ de compensation broker, soit un champ de compensation market. Si jamais tu rentres tout chez le broker, tu viens de lui envoyer un ordre en disant « je veux acheter là, je suis prêt à gagner là et tu m'exécutes pour pouvoir sortir et je suis prêt effectivement à perdre tout ça ». Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Tu essaieras, si tu ne l'as pas fait, tu le fais, tu regarderas. Tu rentres ton ordre. Première chose que fait le marché, il commence à aller dans ton sens. Instantanément après, immédiatement après, boum, il se retourne. Il va chercher la moitié, ton stop, il t'exécute, tu sors et il repart. Dans 99% des cas,
C'est comme ça que ça fonctionne. Je répète. Quand tu rentres un OC, tu rentres ton prix d'entrée, tu rentres ta target, tu rentres ton stop loss et là, tu as la banane en disant « Chéri, fais les bagages, je te paye le voyage en Thaïlande dont tu rêvais. » Et là, le marché démarre. Il va dans ton sens. Instantanément, il se retourne. Il t'emmène au stop, il t'exécute, boum, ça repart. Et là, tu te regardes dans une glace et tu dis « Je ne suis qu'une pauvre merde. » Et j'en ai marre parce que ça fait 10 fois que ça fait le même coup. La première réflexion que tu peux avoir, c'est dire « Ce marché est trop dur, il est trop compliqué, je n'y comprends rien, j'arrête. » Si tu arrêtes simplement de manière spontanée et que tu reprends le lendemain, tu as raison. Si tu arrêtes définitivement, tu as tort. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est « Ma méthode, c'est de la merde. » Mais ce n'est pas grave, parce que la méthode, tu n'en es peut-être pas l'inventeur. Tu as peut-être cru au mec qui te sifflait dans les oreilles en disant « T'inquiète, avec moi, tu vas être riche. » et qui continue à offrir ses abonnements à ses clients puisqu'il n'y arrive pas lui-même. Ça peut être ça aussi. Puisqu'une méthode, pour qu'elle fonctionne, il faut quand même que tu puisses la vérifier. Et ne me parle pas du truc sur le papier, le PowerPoint, non. Je te parle d'un trade en live dans lequel tu gagnes. Le mec se met cara tout cara avec toi, il engage une position, lui gagne, mais toi, tu gagnes. Ça veut dire que la méthode est bonne. Deuxième critère, il ne faut pas qu'elle gagne sur un coup de bol. Il faut qu'elle gagne quotidiennement, régulièrement. Donc, deuxième règle, soit effectivement c'est le marché, soit c'est la méthode. D'accord ? Et puis le troisième, c'est toi. Toi. Alors la première erreur que tu as fait, c'est balancer ton jeu à l'adversaire. Pourquoi l'adversaire ? Bah oui. Les marchés financiers sont des marchés à somme nulle. Si tu n'aimes pas les mathématiques, il va quand même falloir que tu puisses réfléchir en te disant, quand toi tu perds, c'est pas de l'argent qu'on jette dans les toilettes et on tire la chasse. C'est de l'argent qui va dans le portefeuille de ceux qui gagnent. Et ceux qui gagnent, c'est qui ? Ce sont ceux qui t'ont fait croire que de mettre un stop allait te sauver la face. Ce sont ceux qui t'ont vendu des méthodes à la con. Excuse-moi du terme, je retire, j'enlève 3XX et je mets simplement l'histoire de la méthode qui vaut rien. Des stochastiques, des moyennes mobiles, des RSI, des forces relatives, des gnagnans, des gnagnans, des gnagnans. Ils en sortent tous les jours, des indicateurs techniques. En fait, ils sont déjà en train de te mettre dans une 911 et tu n'as même pas le permis. Tu ne sais même pas comment, par quoi il faut commencer. Alors, au final, ce stop-loss qui t'emmène effectivement vers le fond, il va falloir en faire quelque chose quand même. Est-ce que, Luc, d'abord, on peut rentrer avec un OC ? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà décider de rentrer avec un OC ? Oui, tu peux, surtout quand tu débutes. Tu sais pourquoi ? Parce que celui-là, là, si tu es droitier ou celui-là, si tu es gaucher, il n'est pas prêt. Toi, tu es prêt, mais lui n'est pas prêt. En définitive, quand tu prends une décision, quelle qu'elle soit, si la position génère du stress, il va falloir que la communication entre ton cerveau, ne me parle pas du cerveau, je ne vais pas te faire un cours d'anatomie sur le cerveau, il va falloir que ton cerveau envoie suffisamment d'énergie électrique à ton doigt pour pouvoir effectivement cliquer. Et là, on va toucher effectivement, ça c'est le copain du moustique de tout à l'heure que j'ai assassiné, celui-là, il va y passer aussi. Si vous aimez les moustiques, tant pis. Hein. Ici, on en a à profusion, si vous en voulez, je vous en envoie par la poste. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en définitive, quand on débute en trading, on a un gros problème de relation entre le cerveau et le doigt. Ça te paraît con, mais c'est une réalité. Soit tu ne cliques pas. C'est-à-dire que tu as envie de cliquer, mais ton doigt, il fait ça. Soit, effectivement, tu as tellement de stress. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Le stress, c'est le flux énergétique. C'est effectivement le courant qui passe dans tes muscles et qui vont permettre d'exécuter quelque chose. Quand tu as décidé de cliquer sur une souris, il va falloir que l'électricité passe de ton cerveau au doigt. Soit tu es très stressé et tu cliques sans même le savoir. Mais je ne suis jamais rentré dans l'opération, moi. Mais attends, j'ai jamais cliqué, moi. Mais c'est loulou à l'instant. Et moi, à l'époque, je travaillais moi, sur un touchpad. Tu sais ce que c'est qu'un touchpad ? Un touchpad, c'est un carré en fait, sur lequel tu mets le doigt et pour cliquer, tu appuies dessus. Tu n'as même pas besoin de cliquer. Tu dégages tellement d'énergie qu'en fait, il envoie l'ordre. Ça te fait sourire ? Vérifie. Tu regardes. Regarde effectivement toute l'énergie que tu as en toi, le stress que tu as en toi. Donc, quand tu passes un ordre, les débutants en fait, ont très peur de passer un ordre parce qu'en définitive, ils ne relativisent pas. Ils ne savent pas dire « je ne vais pas en mourir ». Ils ne savent pas dire « qu'est-ce que je risque ?» Je risque quoi ? Je me suis trompé. Mais alors là, on touche un point sensible. Si je me suis trompé, il va falloir que je réagisse et non pas que je fasse confiance à quelqu'un pour qu'il puisse réagir à ma place. Il est là le problème psychologique. Et tu n'as pas besoin d'acheter des bouquins d'un mec planqué aux Émirats pour essayer de comprendre une psychologie qui n'a rien à comprendre. Quand tu décides de faire quelque chose, tu dois être capable de le faire toi-même et tu dois être aussi capable de sortir toi-même. Juste à la fin, oui, vous devez être capable d'entrer sur un marché et d'en sortir aussi. Alors au début, ce n'est pas facile. Et au début, on ne sait pas. Eh bien, si tu ne sais pas, tu ne fais pas. Oui, mais Luc, il faut quand même se lancer. Eh bien, fais-toi accompagner.
Et puis quand tu te fais accompagner, tu vas d'abord essayer de maîtriser la plateforme du broker. Tu ne vas pas essayer d'apprendre la méthode miracle de l'autre qui a inventé un truc, je ne sais pas quoi, et qui n'a jamais fonctionné autrement que sur le papier. Il y en a un là qui est en train de te sortir une foire, un salon de la chaussure et du saucisson. Il va faire ça ce week-end. Si tu y vas, tu vas perdre ton temps, je te le dis. Hein. C'est n'importe quoi. J'ai la méthode machin. Mais avant d'avoir la méthode machin, apprends à passer un ordre. Bah ouais, c'est la base. Mais personne ne t'apprend à passer un ordre. Personne, si. Chez les traders alertes, on t'apprend. Et dans le Trader Ultimate Programme, on t'apprend. Je ne suis pas plus malin qu'un autre. Je suis simplement en train de te dire que tu as envie de conduire la grosse voiture. Apprends à passer les vitesses. Dans un premier temps, tu tiens le volant. Alors, il y en a qui vont t'apprendre à tenir le volant comme ça. Moi, je n'ai jamais pris un virage comme ça. Moi, je préfère te dire, tu vas peut-être passer pour un con au feu rouge, mais au moins ton volant, 10h10. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, tu es tranquille. Et bien là, tu vas d'abord apprendre à passer un ordre. Apprendre à passer un ordre, ça tient à plusieurs critères. Le premier, gérer sa taille de position. Je t'en parle. Allez, je te le remets, petit coup de pub. Voilà, ça c'est pour mon ami François, quelqu'un que j'aime beaucoup. Regarde, il est tellement honnête ce gars, j'ai vraiment envie que son show marche. Et je te dirai tout sur la gestion de position. C'est un truc normalement qui est payant. Ça, je te l'offre parce que tu viens effectivement le 11 octobre chez XTB dans les salons Foch. Je t'en parlerai, tu verras. Tiens, regarde, inscris-toi. Inscris-toi à 09 80 08 20 11 ou sur traderalert.com ou alors tu as le lien. Inscris-toi, le lien est en dessous. Charlotte, mets-nous le lien, s'il te plaît, dans le chat. Je t'apprendrai effectivement à gérer une position. Je ne suis pas plus malin que toi, mais j'ai la chance d'avoir baigné dans ce milieu depuis tellement longtemps. Première chose, gestion de taille de position. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle influe directement sur ton cerveau, la gestion de taille de position. Tu n'as jamais appris à conduire à 350 km/h. Parce que gérer une voiture à 350 km/h, surtout quand tu es dans une Fiat 500 dopée au vinaigre, ça n'a jamais marché. Donc forcément, apprends à passer un ordre. Si jamais tu passes un ordre convenable, avec une taille de position convenable, tu as déjà 50% de stress en moins. D'accord? Mais Luc, on parlait du stop, on parle du stress, on parle de la psychologie, on parle de tout, loulou. Mais pour que je puisse arriver au stop, il faut que j'arrive à introduire cette chose-là. Si déjà tu rentres avec une taille de position qui fait pas mal, tu auras pas mal. Si jamais tu rentres dans une taille de position où tu fais le cacou, où tu fais celui qui a, tu sais, la queue de léopard sur le rétroviseur intérieur de la voiture, avec le bras sur la fenêtre, la musique à fond, bah ouais, mais la plupart du temps, tu regardes les gonzesses qui passent, mais tu te prends le platane. Donc toi, tu es malin. Tu vas d'abord apprendre à prendre une taille de position qui est conforme avec d'abord la quasi-certitude de ton opération, mais aussi avec la capacité du broker et du marché pour te laisser gagner. Parce que le broker est très important. Aujourd'hui, pour gagner, il aurait fallu être président du directoire du broker chez lequel tu es. Parce qu'aujourd'hui, les spreads étaient monumentaux, importants. Pourquoi je te parle du spread? Parce qu'en définitive, quand tu vas calculer effectivement ton RR, il y a une notion importante. Celle de celui qu'on appelle le ROI, le point mort, le break-even, tout simplement. On est là sur des calculs simples. Ce que me coûte l'opération avec le prix dans lequel je veux rentrer. Ce qui veut dire que, d'ores et déjà, tu as compris que si tu prenais une opération un peu foireuse, tu allais avoir des pertes dès le départ. Ça veut dire que dès que tu rentres en position, le broker se serre et tu es dans le rouge. Et pour remonter dans le vert, soit tu te chopes une balle de fusil, soit tu te prends un mouvement léthargique, comme il y a eu entre midi et deux une grosse accolade à mon ami Didier de Guyane, que j'aime énormément et qui est en train de prendre l'ascension fulgurante de Spider-Man, tellement ses gains sont réguliers en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que pour entrer sur une opération, il y a plusieurs facteurs. Tu ne peux pas simplement dire « je clique, terminé ». On a calculé le potentiel de l'opération. Attention, c'est simplement un élément du calcul de la quasi-certitude. Ça n'est pas la quasi-certitude. C'est déjà l'assurance d'avoir une position qui, sur le papier, va te donner plus que ce qu'elle risque de te prendre. Ça paraît logique. Est-ce qu'à ce stade de l'émission, ce que je vous dis est logique? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je dois dire que même je préférais que les gens ne soient pas d'accord. Parce qu'à force d'être d'accord, on va encore dire que j'ai trop d'assurance. Allez-y! Si effectivement, quelque part, vous avez clairement envie de dire le contraire, mais n'hésitez pas. Je continue. Ta taille de position est raisonnable. Ton RR est juste. Que peut-il t'arriver? Que peut-il t'arriver? Tu viens d'éliminer le facteur de t'être trompé sur le sens du marché, puisqu'a priori, tu as plus de chances d'avoir raison que tort. 1. Tu viens d'éliminer ton facteur psychologique, puisque tu rentres avec une taille de position raisonnable. Tu as pas mal. Si tu as pas mal, tu continues. On a enlevé 2.
des trois critères importants pour pouvoir prendre une position. À partir du moment où tu décides de rentrer en position OC, ordre conditionnel, d'accord, ce qu'on appelait auparavant un ordre limité ou un cours limité, tu as décidé de rentrer à un prix. Ça ne veut pas dire que tu vas à la pêche ou à la chasse ou même à la piscine ou même draguer sur la plage. Ça veut dire que ton OC, tu l'attends et que la plupart du temps, quand on prend un OC, c'est pour être sûr de rentrer sur un prix qui soit celui que l'on veut et que l'on attend. Ça présente un danger, c'est que si ta target est trop près de ton start, tu risques effectivement d'être exécuté, mais quand tu rajoutes les frais du broker, tu es mort. Ça s'appelle le trading relatif. N'hésitez pas, les traders alertes, à réclamer à Charlotte au 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, le PDF sur le trading relatif. Parce que ça, c'est fondamental. Des gens perdent, ils ne savent même pas pourquoi. J'avais raison, mais je ne suis jamais passé dans le vert. J'avais raison, mais je n'ai même pas couvert mon break-even. Que se passe-t-il? Alors, on va en parler de ce break-even. Et on va commencer à arriver à la fin. Tiens, c'est une phrase qui est un peu particulière. Oui, nous arrivons à la fin de l'émission. En définitive, le point d'orgue de cette émission, c'est quand même comment se passer d'un stop. Pour ça, il va falloir une hygiène mentale et une hygiène, effectivement, de trading parfaite. Tu décides de rentrer en position. Tu as mis ton OC, tu as mis ta target, pourquoi pas? Et encore, si tu as mis ta target, il y a une règle pour pouvoir respecter une target. Parce que mettre une target, c'est aussi se dire je gagnerai tant, pas plus. Si cet après-midi, tu avais mis un OC acheteur sur le Dow Jones, je peux vous dire que si jamais tu avais mis une target à plus 10, tu dois être ce soir en train de te taper la tête contre les murs en disant « je suis un âne ». Parce que le marché est monté. C'est la technique du glisser. On sait faire glisser une target. Absolument. Première règle, je rentre en OC, la target, je peux la mettre si je ne me sens pas capable non plus de sortir avec des gains. Je peux la mettre. Néanmoins, une target présente un inconvénient. Mais Luc, on parle de stop, on parle de target. Attends, j'y arrive. La target présente cet inconvénient qu'en définitive, la plupart du temps, là où tu l'as placée, tous les bons ont placé la même au même endroit. Ça veut dire qu'en fait, tous les mecs qui sont un peu doués, je ne te parle pas des uluberlus autour de moi, sur Internet, sur YouTube, je vais louer des voitures, mon mur est jaune, mais ce n'est pas le mien, enfin bref, ils se reconnaîtront. Je te parle des mecs intelligents qui, sur le marché, ont les mêmes levels. Les levels, c'est quoi? Alors, traduction pour l'ami qui parlait anglais hier soir qui est à vomir, ce sont les niveaux. Ces niveaux importants que tous les professionnels connaissent. Ce sont les niveaux, la plupart du temps, que les institutionnels ont programmés dans leur robot. Mais toi, le robot, tu n'y as pas accès. Tu sais que ça ne marche pas, un robot. Et tu sais que tu n'iras pas vers un robot. Tu ne toucheras jamais au robot, sauf celui qui passe l'aspirateur à ta place. Mais l'autre, tu n'y touches pas. Celui de trading, tu m'oublies ça. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a enrichi que ceux qui savent effectivement les programmer et qui ont suffisamment d'argent pour influencer le marché. Ce qu'on appelle les market makers. En définitive, quand tu as passé ton ordre, tu es relax, tu es confort, comme j'aime dire. Donc, ton ordre, effectivement, est passé. Ton OC est placé, tu te mets devant l'écran, tu attends, on est starté et on engage la position. On va faire un peu de statistiques rapides, très simples, je vous rassure. Pas besoin de sortir les bouquins de première ou de seconde en disant, Luc, alors attends, alinéa 3, 4, Z, fraction maintenant. Non, relax. On va parler en possibilités et on va être simpliciste. On va simplifier la tâche au maximum. Étape numéro 1, je prends l'opération. J'ai deux possibilités, pas trois, deux. J'en ai peut-être une troisième remarque entre parenthèses, c'est celle de ne pas être pris. Ah bah oui, ça arrive. C'est pas parce que tu as mis un OC que tu es pris. D'abord parce que si tu as fait le teubé, comme dirait mon fils, et que tu es rentré avec 500 lots à la demande alors que tu en avais 80 à l'offre, bah en définitive, soit tu ne rentres pas, soit tu es splitté et soit ça rime à rien. Première chose. Deuxième chose. Soit tu as raison tout de suite, ça part. Et là, ça part. Alors je t'ai vu, je le fais bien. Mais des fois, ça ne fait pas ça. Des fois, ça fait tout. Et hop, la petite balle. Et là, rentre en ligne de compte un facteur psychologique important. Le stress, la peur. Il y a un loup et il arrive. Mais non, il n'y a pas de loup. Et non, il n'y arrive pas. C'est ce que j'appelle les moments de guerre des nerfs. Mais en définitive, ce sont ceux qui jouent le rôle de contrepartie qui sont en train de t'épuiser. T'es rentré. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Soit de gagner, soit de perdre. T'as déjà pris en compte les deux facteurs. T'as rentré un OC, soit ton marché part comme une balle, et dans ce cas-là, effectivement, il va target rapide. Et t'as deux... Alors là, tu te poses la question, mais ça, on l'abordera dans une autre émission. Soit tu coupes target, soit tu laisses glisser la target.
Et là, j'en parlerai. La deuxième possibilité, c'est que tu perds. Tout de suite. Mais alors là, on a le droit de se dire, Luc, t'es gentil, mais bon, j'ai calculé ma quasi-certitude, j'ai calculé mon RR, tout était beau, propre, génial, je me suis lavé les dents et sous les bras, et pourtant, je me trompe. J'ai la guigne. C'est pas possible. Ben, en définitive, si t'as pas mis de stop et que tu te trompes, c'est parce que le marché ne te veut pas. Voilà. En gros, c'est ça. Ça veut dire clairement que si tu as fait ce qu'il fallait, que tu es dans la méthode et que ça fonctionne bien, tu te trompes, ça tombe, c'est pas toi qui te trompes. C'est le marché qui ne te veut pas. Ça veut dire qu'en définitive, dans les trois raisons dont on a expliqué tout à l'heure, la méthode, le marché ou toi-même, ben ça peut être aussi le marché. Le marché n'est pas prêt. Il va monter, mais il n'est pas prêt maintenant. Et là, arrivent deux classes de day traders. Celui qui est sous sans boire, celui qui est complètement abruti, teubé, qui va à Lourdes. Alors, ce n'est pas parce qu'il va à Lourdes qu'il est teubé. C'est parce qu'il y croit. I wanna be, ok? Je veux que. Et il y a celui qui est très malin, qui a compris que si véritablement ce qu'il avait lui entrepris en termes de position ne paye pas tout de suite, il s'arrête. Et il va s'arrêter. Et il a les coronesses suffisantes pour dire « je m'arrête ». Mais il ne se dit pas « ah, pas bien, méchant, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je fais ici, je devrais faire autre chose ». Il se dit simplement « it's not the time ». Before the time is not the time, after the time is not the time. Pareil, petite leçon pour le mec qui essaye de parler en anglais qui n'y arrive pas. Je dis simplement qu'en définitive, le marché ne te veut pas. Et c'est lui le boss, le king, ok? C'est lui qui va te faire gagner ou perdre. C'est lui qui va décider effectivement s'il montera ou il descendra, même si tous les facteurs sont réunis et que le marché effectivement doit monter. C'est lui qui a la montre, c'est pas toi. C'est lui qui va décider à quel moment il montera. Et c'est lui qui dira si le marché te paiera ou ne te paiera pas. Alors lui, c'est qui? Le marché, certes, mais qui fait le marché? Les market makers. Les market makers. Ça veut dire aussi peut-être que tu n'as pas eu l'intelligence de regarder ton carnet pour faire un peu de market profile et te décider sur les lignes, effectivement, qui étaient à risque. Celles qui risquaient un pullback plutôt qu'un breakout. Peut-être que ton R1, c'était un véritable niveau de pullback et pas celui d'un breakout. Donc, en fait, ton stop, il sert à quoi, là? À quoi il va te servir, ton stop loss? À perdre. Parce qu'en définitive, tu vas faire quoi? Bah, tu vas dire, je lâche les mains du volant, il ne peut rien m'arriver, parce que j'ai ma ceinture de sécurité, et j'accélère. Mais ça ne va pas ou quoi? Mais depuis quand tu traverses une rue, et que tu vois qu'une voiture arrive, tu continues à traverser? Depuis quand tu traverses une rue et que tu t'aperçois qu'effectivement c'est pas la rue que tu devais traverser, tu continues? Depuis quand tu traverses une rue, que tu t'aperçois qu'effectivement le piéton est rouge et que tu vois que les voitures arrivent à toute vitesse, que tu continues de traverser la rue? Depuis quand tu décides effectivement d'être contrarien au marché? Qui tu es toi pour décider effectivement d'insister et persister dans une opération qui de toute façon est perdante? Et pourquoi elle est perdante? Elle est perdante parce que c'est pas le moment. Elle est perdante parce que ce n'était pas l'heure. Elle est perdante parce que peut-être que tu as mis un stop loss. Peut-être que tu as effectivement suivi la méthode de l'autre clown. Peut-être que effectivement tu vas, toi, décider d'être plus fort que le marché avec tes petits bras musclés. Et peut-être que tu vas développer cette sensation qui va t'inhiber, c'est presque un alexandrin, cette sensation en fait de surconfiance, de mode espoir. Je l'évite. Quand je trade, je l'évite. Je l'évite pourquoi? J'évite pas de trader, je l'évite du terme léviter à être à ça du sol. Parce que j'ai le Graal et parce qu'il ne peut rien m'arriver. Parce que j'ai placé un stop et parce que mon broker est mon ami. Aimons-nous les uns les autres, donnons-nous la main. Mais arrêtez vos conneries, arrêtez. Quand le marché a décidé que ce n'était pas l'heure, tu sors. T'hésites pas une seconde. Parce que de toute façon, celui qui va gagner, c'est ton broker. Donc, s'il engage lui complètement à l'envers dès le départ, boum, dehors, terminé. Georges qui m'écrit, Luc, tu veux nous expliquer quelle attitude à avoir face à ça? Georges, je lui ai expliqué 100 fois ça. Je lui ai expliqué 1000 fois ça. Je lui ai dit que ça ne servait à rien d'attendre que son stop loss soit tapé. Parce que de toute façon, il a décidé, lui, avec la quasi-certitude des éléments, de rentrer dans une position parce qu'il a suffisamment de certitude que le marché allait monter. Qu'est-ce qu'il peut arriver? Simplement que tu ne sois pas au bon endroit, au bon moment. Ça arrive.
Mais dans ce cas-là, mais qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu espères? Souffrir? Avoir mal? Tu préfères pas couper avec 2 points de perte plutôt que 20? Tu préfères pas effectivement décider de sortir de ta position foireuse? Alors attention, va pas me prendre la reverse. Va pas me prendre une position vendeuse tout de suite après, effectivement, peut-être manger la position acheteuse. C'est quand même facile de ne pas se tromper. Moi, je prends des positions qui se retournent immédiatement. J'ai horreur des positions qui me font végéter avec 1 point de gain pendant une demi-heure. Et je ne suis pas forcément scalper. Je suis simplement malin. Soit j'ai raison, ça part. Alors, je ne dis pas que ça va partir à 200 à l'heure vers le haut, même si on aimerait tous être au pays d'Alice, au pays des merveilles, et se dire qu'effectivement, tout part comme une balle. On peut simplement imaginer que la position va prendre un peu de temps pour pouvoir avoir sa genèse et arriver effectivement à target ou au-dessus de la target. Je vous ferai une émission là-dessus aussi sur la target. Vous verrez, c'est très intelligent. Le stop loss, en soi, si tu le mets en résumé, tu es en train de dire déjà ce que tu es prêt à perdre à tes ennemis. Mais Luc, on n'a pas d'ennemis sur les marchés. Bien sûr que tu as des ennemis. Parce que toi, quand tu t'apprêtes à acheter, que font les autres? Ils s'apprêtent à te vendre. Et en définitive, si tu as envie d'acheter, tu as envie d'acheter pas cher. Et eux, quand ils veulent vendre, ils vendent très cher. Vous allez vous équilibrer, vous allez vous retrouver. À un moment, vous allez matcher. En définitive, celui qui t'a vendu et qui voit que le marché continue de monter, qu'est-ce qu'il voudra faire? Faire descendre le marché pour récupérer ce qu'il a effectivement laissé. C'est ça qu'ils veulent faire. Quand vous êtes trop nombreux à rentrer sur un même niveau et que vous êtes trop nombreux à avoir mis un stop au même niveau, qu'est-ce que font les market makers? Ils retournent le marché. Que faut-il pour pouvoir retourner un marché? Il suffit pour pouvoir retourner un marché d'un vendeur, un seul. Un type qui est capable de vendre à un prix très bas pour faire retourner le marché. Et c'est tout. Il avalera l'ensemble des ordres qui sont avant son ordre lui très bas et ça suffira. Avec ce que je viens de te dire là, tu dois d'abord là te réaliser la connerie dans laquelle tu t'étais embarqué. Tu es en train de te dire, attends, mais en définitive, c'est pas con. Ça fait déjà 3 fois que j'attends que mon stop qui est placé à 0,5% de mon capital claque. Et quand il claque, il remonte. Bah évidemment, puisque tout le monde l'a mis au même endroit. En définitive, si j'avais su couper à 2 points, je n'aurais perdu que 50 euros. Là, j'en ai perdu 5 000, voire même 35 000. En définitive, si jamais effectivement je mets un stop au broker, je suis 9 fois sur 10 exécuté au stop. Mais il te faut quoi pour arrêter ces conneries-là? Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre qu'un stop, ça ne rassure que ceux qui ont besoin d'être rassurés? Je te jure d'une chose, si jamais véritablement je traverse une rue et que j'entends une moto venir au loin, je fais marche arrière et je retourne sur mon trottoir. Je ne continuerai jamais, même si je connais quelqu'un qui travaille dans un bon hôpital. Je me déciderai à faire demi-tour et à revenir sur mes pas. Voilà. Voilà ce qu'est un stop, un ennemi. Voilà comment lutter contre cet ennemi, ne pas en mettre. Voilà comment stopper ses pertes. N'attends pas, sors. Attention, sois logique. Une perte, tu le sais, je te l'ai expliqué, tu vas commencer ta position par perdre. C'est forcément obligatoire, sauf dans le cadre d'une balle de fusil. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, ton broker t'installe des frais, que ce soit du spread ou que ce soit un fee. Un fee, c'est fixe. Tu as 7,50 à l'entrée, tu sais que tu dois déjà faire 7,50 pour être au break-even. Ce break-even, j'en ai très peu parlé dans cette émission parce que je me réserve le droit de vous dire tout ce que je sais là-dessus dans l'événement d'XTB qui aura lieu le 11 octobre prochain et pour lequel vous êtes mes propres invités. Je viendrai avec mon ordinateur, on s'installera autour d'une table et on parlera effectivement des positions live. J'interviendrai à 19h pour vous expliquer ce que c'est qu'un break-even, mais aussi toute la gestion de position. Parce que ce n'est pas un trailing stop qui va t'aider, c'est toi qui va t'aider. Toi, lui et ton cerveau. Si jamais tu n'es pas capable d'associer toi, ton cerveau et lui, fais pas de trading. Ça ne sert à rien. Il n'y a jamais personne qui n'a gagné en faisant confiance à son broker ou jamais personne qui n'a gagné en véritablement simplement donnant un ordre conditionnel chez un broker. On y va pour les questions, sinon je vais me faire disputer par la chef. Alors, le levier, d'abord le leverage. Qu'est-ce que c'est que ce leverage? Le leverage, tout simplement, c'est la possibilité de multiplier sa taille de position en fonction de son capital et du coefficient multiplicateur que vous donne le broker. Est-ce que c'est risqué, dangereux? Ouais. C'est dangereux pour un mec qui n'a pas de méthode. Bien sûr que c'est dangereux.
C'est dangereux aussi pour un mec qui croit une méthode qui ne marche pas. Bien sûr que c'est dangereux. C'est dangereux aussi pour un mec qui fait n'importe quoi. Absolument. Mais le leverage n'est pas dangereux. Et ce n'est pas parce que tu mets un stop que tu vas pouvoir éviter les risques inhérents au leverage. Est-ce que tu me suis dans mon idée? Tu ne vas quand même pas dire « je vais être à full leverage parce que je vais mettre un stop ». C'est incohérent. Ton stop ne varie pas. Si tu roules à 300 à l'heure sans frein, tu vas te manger un arbre. Maintenant, tu roules sur une autoroute avec une grosse voiture à 300 km/h, tu ne vas pas, toi, avoir d'accident. Ou si tu en as un, tu sais qu'effectivement, il sera moins violent que si jamais tu as une voiture qui n'est pas apte à ça. Il faut aussi être logique. On y va pour les questions, Charlotte, parce qu'il y en a beaucoup, je les vois arriver. Il serait préférable de ne pas mettre de target. Alors, il serait préférable de ne pas mettre de target plutôt que pas mettre de stop. Tu sais ce que tu fais? Tu restes dans ton truc et tu ne m'adresses plus la parole. Enfin, ce n'est pas compliqué. Tu restes dans ton trip et tu gardes ton idée de mettre un stop. Moi, Loulou, quand je fais n'importe quoi dans ma vie, du café à me brosser les dents, je vais forcément calculer d'abord l'objectif que je veux atteindre avant même de calculer ce qui peut m'arriver. Si tu es dans ce cas de figure, que tu t'attends d'abord à calculer ce que tu risques de perdre plutôt que de gagner, ne fais pas de trading. Ne fais pas de trading ou du trading à la pièce. Pile, j'achète, face, je vends. Je t'écoute, Charlotte. Alors, ça n'a pas trop rapport avec les stop-loss, mais j'avance quand même. Que penses-tu du trading automatisé? Ta méthode peut-elle être en partie codée pour analyser le marché rapidement et alerter sur les potentiels? Excellente question. Est-ce que ta méthode, Luc, peut être effectivement mise en batterie dans un moteur qui peut effectivement passer des ordres à ma place? Non, 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 non et non. Tu ne peux pas systématiser la méthode. Un bon trader, un trader qui gagne, c'est un artisan. On n'a jamais vu une salle de marché avec des robots qui tradent à leur place. Sauf dans un cas, celui où tu es market maker et tu peux influencer le marché avec l'argent que tu as sur le compte. Plusieurs centaines de millions d'euros. Si jamais tu es un simple suiveur, tu dois être capable de passer tes ordres toi-même. Je t'écoute. Loulou, tu me saoules avec ça. Tu me saoules. Il y avait tout à l'heure une trader alerte qui était à côté de moi. Je montre toutes mes positions en live. Arrête de me saouler. Toi là, qui viens de m'accuser effectivement encore une fois, ça fait 20 ans que je suis sur le marché. Toi qui es concurrent, qui ne sais pas passer un trade. Toi qui passes moins 35 000 et qui est en train d'expliquer des conneries aux gens. Tu viens à Barcelone, je suis à côté de chez toi. Tu as jusqu'à descendre de la montagne et venir chez moi. Tu t'installes à côté de moi, je prends mon propre compte. Tu prends ton compte et on trade. Je traite devant tout le monde en live. J'étais le premier à faire. Tu sais ce que tu fais? Tu tapes « Trading live avec Luc Vaudan » sur Internet. Ce n'est pas moi qui ai filmé. Ce n'est pas moi. C'est FXM à l'époque. Regarde quel est le premier trader à trader en live, en argent réel, devant 2000 personnes. Shut up. Shut up. Get out. You're fired. OK? Lâche-moi. Lâche-moi. Et si tu es le mec au caméscope, lâche-moi. Lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. Ça fait des années que je montre mes trades. Je vais même t'avouer un truc. J'ai confié les traders alertes à certains grands traders. C'est très compliqué de passer une alerte et de pouvoir passer un ordre simultané. Très compliqué. Il y en a qui ont abandonné. Je ne dois pas être loin d'être seul à pouvoir le faire. D'accord? Alors fous-moi la paix. Passe-moi un coup de fil. 09 80 08 20 11. Viens t'installer à côté de moi. Ou shut up. Cerrado la boca. Voilà. Cerrado la boca. Ah. Oh. Me parle plus de ce type. Je m'en fous, Charlotte. Allez, on t'écoute. J'ai pas compris la méthode. Ok, bon, on va passer au suivant. Ce n'est pas la marge accordée qui est la plus importante que le capital, même posé chez le broker. Rien compris. Est-ce que c'est la marge qui est plus importante que le capital? Vous devez parler du margin call. Margin call. Le margin call, c'est l'exposition maximum pour pouvoir acheter un produit. Clairement, est-ce que c'est important? C'est fondamental. Est-ce qu'il faut engager une certaine taille de position plutôt qu'une autre? Absolument. Luc, tu vas nous en parler, oui, le 11 octobre à Paris. Vas-y, je t'écoute. Luc, je short sur R1 pour un target R2. Mon stop mental est sur le S1. Le souci, ma perte potentielle est supérieure à mon gain probable. Tu ne traites pas. Si jamais ton S1 qui te sert de stop te montre un risque de perte maximum, tu t'en vas. Tu me shootes le Frédéric, là. Tu me shootes le Frédéric. Hey Frédéric, t'as pas beaucoup de confiance en toi, hein, t'as pas beaucoup de coronesse. Hein. Viens,
Viens, on te reçoit, on te sert le café, tu te mets à ma droite. Je ne peux pas faire mieux. On est bien d'accord ou pas? Je sors un peu de dinero de ta poche. Tu crois que je vais te dire, moi, je vais te donner tout ce que je sais faire? Je le réserve à ceux qui, effectivement, investissent avec moi dans la capacité d'avoir une communauté qui partage ses gains. Regarde le pognon que moi, je fais peut-être, mais regarde aussi le pognon que je fais faire aux autres. Alors, Frédéric, Arnaud, Guillaume, ce que tu veux, rentre chez toi. Vire-le-moi, celui-ci, je ne veux plus le voir. Allez. Ce qui n'est pas faux, alors, ce qui n'est pas vrai forcément. Non, non, je n'ai pas besoin de m'emballer. Juste, j'en ai marre de ces gens qui viennent polluer les chats pour raconter leur vie et raconter la même chose. Va sur YouTube, écris Luc Vaudan Trader. Il y a des kilos de vidéos où je trade en live. Regarde la vidéo du Stop Hunter et fous-moi la paix, Frédéric Machin. D'accord? Va jouer avec tes billes au bac à sable. On pose la question de savoir, souvent entre le R1 et le R2, il faut effectivement avoir plusieurs dizaines de pips ou de points et est-ce qu'il mettrait plusieurs millions pour faire descendre un marché? D'abord, tu as oublié une chose. Tout dépend de l'unité de temps que tu utilises. Si tu es sur une minute, tu scalpes. Tu as des R1, des R2 à 2 points, à 3 points, à 5 points. Si tu es effectivement sur du M1 ou du M5, tu peux avoir des dizaines de points. Est-ce qu'ils ont besoin de mettre des millions? Non, absolument pas. Un ordre suffit. Tu prends un ordre, tu le mets très bas, ils avalent effectivement le marché et ils te dégagent. Donc, ta question n'est pas bonne. Tu n'as pas besoin de mettre plusieurs millions pour dégager un stop, absolument pas. Et même parfois, je vais te dire un truc qui va peut-être te hérisser les cheveux sur ta tête, le marché ne va pas au stop. Tu n'as jamais remarqué? Des fois, ton cours, il tombe, il est à 2 pips du stop. Et pourtant, tu es exécuté et tu as perdu. Pose-toi des questions, elle est bonne. On y va, Charlotte. Non, le systématique en soi ne se suffit pas. Le systématique en soi, c'est simplement pouvoir effectivement automatiser des choses. Sauf qu'en définitive, la variable temps dans l'équation, ton inconnu temps, ne permet pas effectivement de systématiser les choses. Donc, soit effectivement une partie dit systématique et une partie discrétionnaire. Voilà, ça c'est important. Il y a des questions encore, Charlotte. Vas-y, descends-les. Il y a des gens qui attendent. Avec grand plaisir. Les gars, venez le 11 à Paris. Charlotte a mis ce qu'il fallait dans le chat. J'ai vu des questions très intéressantes. Et j'ai vu une question sur un broker qui ferait exprès effectivement d'envoyer des signaux pour faire tomber les valeurs au stop. Tu as raison, c'est déjà arrivé. Tu sais sur quelle plateforme? MT4. Ça ne te rappelle pas un truc, MT4? En fait, MT4, c'est l'œil de Moscou. C'est une plateforme développée par des Russes, mise à disposition par des brokers. Et figure-toi qu'il y a des gens qui s'amusaient à faire ce qu'on appelle du copy trade ou du social trading, d'où le trading est social. À quelle heure les mecs, effectivement, vont te faire gagner? C'est du débile, c'est du n'importe quoi. Et en définitive, le mec envoyait des signaux et ça avait fait grand bruit à un moment. Il faisait faire tout l'inverse de ce que lui faisait. En définitive, il créait sa contrepartie quand lui prenait l'ordre effectivement correct. Il gérait simplement un système de market maker très intelligent. Non, bien évidemment, ne suis pas les signaux anonymes de quelqu'un. Ne les suis pas. Et si tu t'appelles Frédéric, suis-les. Allez, à nous. Alors, Pierre-Alex qui pose une question importante sur le GBP-USD d'hier. Il y a surtout aussi celui d'aujourd'hui qui dit « Sans stop, tu te fais dégommer ». Pierre-Alex, t'as tort, t'as faux, écoute. Si jamais tu laisses ta position et que tu t'en vas au sport, t'es mort. Mais même avec stop ou sans stop, à quelle heure un broker va t'exécuter sur un ordre limite alors que le marché est en train de monter de 400 pips ou même de 100 pips? Tu dois être capable de sortir ton ordre du marché. Mano, j'ai jamais vu moi positionner un ordre et s'en aller. Jamais, absolument jamais. Les gens qui font ça et qui font du day trading sont des suicidaires. La preuve en est, tiens, regarde, une preuve s'il en fallait. Le midi, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps sur les marchés? On est à l'envers de ce qui s'est passé le matin. Pourquoi? Parce que les professionnels sortent pour aller manger tranquillement. Ceux qui restent le midi avec leur position, avec un sandwich sur la table, c'est les crevards du coin. Quand tu vas aller manger tranquillement, tu dois être liquide sur un marché, tu ne restes pas engagé. Ça, c'est aussi un petit secret de trader. Ne demande pas à Frédéric, lui, il en est à la couture. On continue. Ah, bonne question. Est-ce qu'on fait du day trading ou du swing trading? D'abord, il faut rappeler ce que c'est que le day trading. Le day trading, on est clairement dans une position qui s'ouvre le matin à l'open et qui se clôt plus tard au close.
Est-ce qu'on privilégie ça ou le swing trading qui permet effectivement de travailler avec de l'overnight, c'est-à-dire travailler le jour 1 et peut-être la fermer le jour 2? Ben moi, je vais te répondre une chose. Tout dépend de ton caractère et de tes tailles de position. Si tu rentres ledge, light, tu peux parfaitement même laisser une position courir pendant un mois. Si véritablement tu trades avec des positions de bonhomme, comme dirait l'autre, jamais de la vie tu laisseras ta position overnight. Je ne te parle même pas des coûts du rollover. Si jamais tu tombes sur effectivement un roulement d'échéance de contrat, mais t'es mort, mais t'es mort. Privilégie, si tu es en grosse taille de position, le day trading. Fais un peu de swing si tu en as envie. Tu fais du swing avec des petites tailles de position, absolument. Je n'ai pas dit que je n'en faisais pas. Je fais du swing trading, je vais même aller au-delà du moyen à long terme sur l'investissement, sur un investissement action classique. J'ai Alstom qui tourne, je vais la fermer tout à l'heure. Et c'est une position qui est ouverte depuis une semaine, Alstom. Pas beaucoup de risques, hein. Ça monte. Valentin qui nous dit, ça me rappelle le trader de Moscou qui prend des trades gagnants et te refile que la moitié. Soyez malin. J'espère en tout cas que véritablement cette émission vous a plu, parce que si elle ne vous plaît pas, on ne recommencera pas, mais si elle vous a plu, je vous en réserve plein d'autres. Olivier, les horaires de début et de ceux de fin de clôture des bourses sont-elles les meilleurs moments pour trader? Très intelligent, Olivier. J'appelle ça le take-off and landing, tu as tout compris. On cherche de la liquidité, de la volatilité, c'est quand même la meilleure. Par contre, ce qui serait très intelligent, Olivier, c'est que tu puisses apprendre à faire ce qu'on appelle le pré-market. Et le pré-market, on a un expert, nous, qui s'appelle Enrique, et qui, alors lui, c'est pareil, il montre ses trades, il fait gagner les autres. Évidemment, Frédéric n'est pas là pour le voir, mais comme c'est un teubé, il ne viendra jamais. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la capacité, effectivement, de trader avec Enrique au scalp, à l'open et au close, et faire votre journée en l'espace de 10 minutes. Voilà, tout simplement. Que choisir, un turbo assez simple avec un levier raisonnable ou une option plus difficile à trouver? Les turbos sont-ils manipulés? Richard, je ne vais pas parler uniquement que des turbos, en particulier des varants ou turbo-varants, mais en tout cas, je voudrais simplement vous parler des outils en général. Si jamais tu trades un outil à chambre de compensation broker chez, en plus, celui qui est introducteur à l'origine de l'instrument, forcément, il va avoir envie de manipuler son cours. Mais c'est naturel, Richard, parce que s'il n'y avait pas ça sur les marchés, eh ben forcément, il n'y aurait pas de volatilité. Donc, ne veuillons pas à tous ces gens qui bougent les marchés, parce que s'ils ne bougent pas, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc oui, restons effectivement raisonnables. Les marchés bougent et sont manipulés. Absolument, absolument. 20 sur 20, dit Alain, en tout cas, sous ces renseignements. J'espère avoir été, en tout cas, le plus honnête dans ce que je vous ai dit. Montrer beaucoup de choses que je vous ai dit. Je vous en dirai encore plein. On m'accusait peut-être d'être un petit peu égoïste et de réserver tout ça à des gens, effectivement. Mais là, j'ouvre tout. Je voudrais par contre appuyer sur un fait clair. Je veux bien vous aider à gagner, mais il faut comprendre qu'effectivement, ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Donc, il faut savoir aussi investir avec tout ça. Je vais être neutre, mais franchement, vous puez le mensonge. Allez, à dégager. Pierre, Frédéric, Pierre, c'est le même. Hein. Vous inquiétez pas, c'est le même. Hein. Ce sont les mêmes phrases, les mêmes tournures. Il habite en Andorre. On a de gros soupçons en Andorre. Hein. Ça, c'est clair. Quoi d'autre? Salomon, 5 et 30. Là, je ne sais pas. Whippet, merci du retour. Pierre, c'est Frédéric. Absolument, Charlotte, Pierre, c'est Frédéric. On s'y était pas trompé. Il est 7h30. Ça fait 1h30 que je m'évertue effectivement à essayer de vous apprendre ce que je sais. Parce que j'arrive à un âge où je suis effectivement en droit de vous offrir tout ce que je sais, parce que j'ai qu'une seule volonté. C'est que vous puissiez fermer la bouche à tous ces mythomanes sur Internet, tous ces gens qui se même créent artificiellement une vie qui n'existe pas. Si tu sais gagner ne serait-ce que 5 ou 10 points par jour, tu es heureux. Je te jure, tu es heureux. Et gagner 5 ou 10 points, c'est beaucoup moins compliqué que d'aller chercher 40 ou 50 points. Donc, clairement, ça marche. Luc, quand c'est que tu nous apprends les options pour pouvoir nous couvrir? Là, je sens que Valentin a envie que je lui parle de hedging. Mais ça, le hedging, c'est le Trader Ultimate Programme. Le hedging, c'est particulier. C'est une technique que j'ai vu faire de mes yeux, que j'utilise de temps en temps, qui est très, 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 très complexe. En tout cas, quand on a beaucoup d'argent, elle est essentielle. Quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui est un grand trader que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, et qui est un expert dans le hedge, puisque le hedge, c'est effectivement des gens qui ont des hedge funds la plupart du temps, mais qui savent gérer avec des principes de hedge et qui marchent très, 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 très fort. J'étais en live, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Les émissions que moi je produis sont des émissions qui n'existent nulle part ailleurs. J'espère que vous le savez. Je vous attends en tant qu'abonné dans la chaîne de Trader TV for Money, des Traders Alerte, avec Hello Trader, Good Morning Mr. Do. Je vous attends en tout cas le 11 octobre parce que j'ai vraiment envie, encore une fois, de vous donner ce que je sais pour que vous puissiez progresser. J'ai envie de vous dire, pulvérisez les haters, pulvérisez les mecs qui s'inventent une vie, n'existent pas. Ces gens-là n'existent pas. Ils ne viendront jamais ici.
Et à tous ceux qui refusent de venir, on mettra votre tête avec une croix rouge dessus en disant que vous n'avez pas voulu venir. Voilà, tout simplement. Apprenez le trading absolument au 11, Olivier. Je serais enchanté de faire ta connaissance. J'ai Shannon qui me dit, Luc, un petit mot sur les carrés. Si tu veux un petit mot, je vais te le donner, mais je ne pourrais pas tout te dire. Un carré est un quadrilatère. Luc, tu n'es pas gentil. Mais si, je suis gentil. Mais il faut bien que je réserve aussi aux abonnés, à la chaîne pédagogique, au Trader Ultimate Programme. Frédéric, Armand, les autres, les haters, écoutez-moi. Quand je fais gagner quelqu'un, plus de 10% de son capital en une semaine, je le fais gagner. Je le fais gagner. Il gagne parce que je lui ai montré comment faire. Alors vous qui perdez, qui offrez vos abonnements effectivement à vos clients parce que vous n'êtes pas foutu de gagner, arrêtez, stoppez. Allez voir ailleurs si nous y sommes. Bravo à Enrique, bravo à Christophe, bravo à Sébastien, bravo à Benoît, bravo à Didier, à Annick, à tous ceux qui sont à côté de moi, à 30 cm de moi et qui voient les carnets ouverts, qui traitent en réel et avec qui on fonctionne. Nous aussi, on t'embrasse Guy, on t'embrasse. Merci Thierry que je connais, bravo à toi Thierry en tout cas. J'essaye d'en dire le plus possible. J'essaye aussi de vous convaincre qu'il faille arrêter de perdre. Parce que tant que vous vous perdez, eux ils gagnent. Take care, choose enjoy, à bientôt. Au 11, inscrivez-vous. Charlotte, je laisse le chat ouvert, mets le lien. On vous aime, ciao, bye bye.